Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le manuscrit de Marie-Madeleine. Donc, je voulais préciser que je ne touche aucune rémunération pour vous lire ce livre ou pour vous en parler. Donc, Marie-Madeleine s'est connectée à Tom Kenyon, qui a canalisé 33 canalisation donc de Marie-Madeleine au sujet de la relation sacrée qu'elle a eue avec Jésus ou appelée aussi dans le livre Yeshua. Voilà. Je vais vous lire déjà la première phrase du livre. Lorsque vous entrez dans la relation sacrée, toutes les cartes sont sur la table, au vu et au su de chacun. Si quelque chose se produit, on le pose simplement sur la table. Car la clarté qui s'installe entre deux personnes conscientes de l'ensemble du jeu est ce qui permet la transformation. Marie-Madeleine. Invocation à la mère cosmique. Ô grande mère, divin principe féminin, toi qui as donné naissance à l'univers, amante spirituelle, créatrice de toute matière, reine de tous les mondes, et de tous les mondes qui sont dans ces mondes, où, au-delà, nous t'invoquons et t'appelons à nous. Nous sommes tes enfants, entends notre appel. Nous sommes les filles et les fils de ton union divine, la chair de ta passion pour la vie. Toi qui as partagé la couche de l'esprit, notre Père, au commencement des temps, et qui nous a menés à l'existence par l'union de l'esprit et de la matière, nous sommes tes enfants, les fils et les filles de ta chair et de ton cœur. Nous nous souvenons de ce contact, du parfum de ton essence, et nous t'attendons, nous t'espérons. Viens dans nos cœurs et accorde-nous le don de mémoire. Viens dans nos esprits, épanouis notre génie. Éclaire-nous par ta présence. Retire les voiles afin que nous puissions voir, ordonne aux portes de s'ouvrir, afin que la beauté et l'extase viennent habiter pleinement nos demeures et nos cœurs. En cette heure, nous avons le plus grand besoin de toi. Nous t'appelons par le feu et l'eau, par la terre et le vent, par tout ce qui porte ton nom. Nous invoquons nos lignées et tous tes noms. Viens à nous, viens à nous, qu'il en soit ainsi. Judy Sion. 22e canalisation. Dans la pratique de la magie sexuelle d'Isis, c'est l'initié qui fait face aux défis les plus imposants. Car au premier abord, cette méthode exige qu'il aille contre sa propre nature. Essentiellement sur le plan alchimique, l'homme est électrique tandis que la femme est magnétique. L'électricité a pour propriété d'être en mouvement et d'agir. Le caractère du magnétisme est de se lever, d'enlacer. La pratique alchimique vise à consolider le cas en incorporant des champs magnétiques libérés par l'acte sexuel. Immédiatement après l'orgasme, les champs magnétiques générés par l'initié commencent à décélérer, tout en restant en mouvement et en continuant à circuler. C'est l'occasion de se reposer, de se lever dans le nid des magnétismes. Oui. Mais par nature, les hommes ont tendance soit à se lever pour faire autre chose, soit à s'endormir. L'initié mâle doit donc s'entraîner à se reposer dans ce nid, afin de permettre au magnétisme engendré de s'élever en spirale dans son cas et son corps. C'est contraire à ce qui se passe d'habitude, car chez l'homme, l'orgasme est confiné à la zone pelvienne et il ne se diffuse que dans certains cas. Chez l'initié, particulièrement celle qui a su s'abandonner à l'expérience, l'orgasme se propage dans le corps tout entier et fluctue entre différents niveaux d'intensité pendant plusieurs heures. Certains initiés masculins pourraient s'inquiéter du fait que, en modifiant leurs tendances naturelles et en se reposant au nid, ils perdent de leur masculinité, mais je peux leur assurer qu'il n'en est rien. Car ce qui se passe véritablement lorsque l'initié se love dans les magnétismes, c'est que son énergie sexuelle devient plus puissante. L'une des tâches de l'initié consiste à devenir réceptif à de nouveaux degrés de sensation, de façon à pouvoir incorporer les champs magnétiques libérés par le sexe dans son propre corps K,
pardon, dans son propre corps et dans son cas. Pour préciser cette notion de reposer dans le nid, cela ne signifie pas que le membre de l'homme doive nécessairement rester à l'intérieur de sa partenaire, mais plutôt que l'homme doit rester tout proche d'elle par le toucher, par les caresses, et participer aux sensations physiques et aux émotions consécutives à l'orgasme. C'est par ce portail du repos au nid que l'initié devient capable d'entrer dans les mystères féminins de la création. L'initié doit être conscient d'un autre aspect, ce qu'on appelle l'adoration du bien-aimé. Si l'alchimie et la magie sexuelle atteignent une certaine intensité, certains signes se manifestent. L'un de ces signes est que le bien-aimé devient un objet d'adoration. Cette adoration se produit aussi bien chez l'initié que chez l'initié. Lorsque l'adoration du bien-aimé s'éveille dans les deux partenaires, l'alchimie et la magie sexuelle atteignent une intensité maximale, car les harmoniques et les magnétismes créés par ces émotions sont très bénéfiques à la magie.